Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la police nationale. Vous êtes à Madina. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis là en ma qualité de directeur régional de la police de Conakry. Je gère la ville de Conakry. Madina est en feu. Voici l'une des raisons de ma présence. En effet, hier, depuis 23h37, nous avons été informés comme quoi une partie de Madina est en feu. Et tout de suite, nous avons informé qui de droit, c'est-à-dire le directeur national de la protection civile, le chargé de sapeurs-pompiers. Et il a dépêché donc les camions sur le terrain, les 7 camions de la protection civile. Et vu l'ampleur du feu, il est obligé de faire appel à l'Agipresse qui a eu à mettre à notre disposition 2 camions. L'aéroport a mis un camion à notre disposition. Nous avons eu quand même à utiliser 11 camions d'une capacité qui varie entre 4, 6 et 9 000 litres. Et toute l'année, depuis minuit jusqu'à maintenant, les camions ont fait des rotations, 11 rotations par camion. Le seul souci de maîtriser ce feu. Et voilà, nous sommes là sur le terrain. Selon vous, mon commissaire, qu'est-ce qui serait à l'origine de cet incendie? Les premières informations recueillies hier même à minuit, il semblerait qu'il y a eu une coupure. Il y avait une coupure à Madina et c'est seulement lorsque le courant est revenu 10 minutes après, ils ont constaté qu'à des endroits il y a le feu. Et tout de suite, les autorités nous ont appelé et puis voilà, nous sommes sur le terrain. Et le dégât, il est énorme, c'est des blessés et au temps opportun avec les autorités de Madina à tous les niveaux du parti, on va essayer de faire l'évaluation, le constat de l'évaluation. Mais notre préoccupation, comme vous le constatez encore, c'est comment maîtriser le feu. Vous avez un dernier mot? Ouais, le dernier mot, c'est d'abord nous saluons la sérénité de la population. Et ils sont là, avec calme. Ils sont curieux, bien sûr. Certes, la nuit, on a pu travailler, mais aujourd'hui, nous travaillons avec eux. Mais dans le calme et la sérénité, la plus absolue. Et puis, nous pensons que l'autorité, les autorités à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la commune, que ce soit au niveau du gouvernorat, que ce soit au niveau du gouvernement même, ils vont pouvoir s'asseoir, tirer les leçons et apporter ce qu'ils peuvent faire pour les sinistrés. Merci, M. le commissaire. Merci.